Entre deuxième dose et Philippe, nous sommes toujours en direct du musée du débarquement à Utabi. C'est l'amour à la plage. La régie technique est restée à Paris, donc on n'est pas du tout sur les bons choix musicaux. Non. Nous sommes toujours à Utabitch, ouais. Petit point géographie. Il y a Utabitch, pour que vous compreniez juste après, il y a Omaha Beach. Mmh. Après, il y a Son of the Beach et Ta mère la Beach. N'importe qui est quoi. Non, juste un petit peu plus loin. Très jolie plage. Non, là, vous avez Ta mère la Beach. Alors, le président Joe Biden va rester 5 jours en France pour les commémorations. Alors, on a appris. Que Joe Biden est le président des États-Unis d'Amérique, donc était en France, mais est-ce que lui le sait? Parce qu'il a parfois des absences. Alors, tu crois qu'il serait venu à la matinale de RTL, mais ça, bon. Ça, c'est le manque d'ambition d'Amandine sur les invités. Alors, Nathalie, c'était très bien, mais c'est vrai que Joe Biden, comme il a l'âge de nos auditeurs, ça aurait été très sympa. Alors, Joe Biden est arrivé en Boeing 747. Il faut savoir qu'il y a deux Boeing, il y a 40 véhicules, il y a deux voitures blindées, il y a 7 hélicoptères. C'est donc un déplacement placé sous le signe, avant tout, de l'écologie. Et avec lui en permanence, vous savez qu'il y a des glacières où il y a 12 reins de rechange, 3 cœurs. 8 poches à pipi, 130 couches confiance, 200 smell crêpes, 38 sonotones et une pompe à vélo pour le regonfler avec un embaumeur et un taxidermiste qui ne quitte pas d'une semaine. Vous êtes un affreux personnage. Hier soir, vous trouvez ça réaliste? C'est de la formation. Très bien, c'est factuel. Hier soir, France 2 diffusait, Philippe, La nuit la plus longue, un docu-fiction qui traite du débarquement avec nos moyens d'aujourd'hui. Eh oui, alors c'est une vraie question. Comment un tel événement serait traité à la télé en 2024? Oui, bienvenue dans cette journée de championnat qui oppose les Alias à l'Allemagne. Donc, on est en duplex de la Normandie. Donc, pour faire vivre l'événement au plus proche du terrain, c'est parti pour la mission Overworld. Ça commence fort à Utah Beach. Tir encadré dans un soldat américain. Le nazi n'a rien pu faire. But Omaha Beach. Avec un hélico qui se pose sur la plage, de très belle action sur la surface qu'on voit ici à le ralenti. En tribune, Eisenhower exulte et prend Winston Churchill dans les bras. Retournée acrobatique d'un GI à Juno Beach. Ses coéquipiers le félicitent, on enfonce le drapeau américain dans le sable. 3-0 pour le FC allié, 0 pour les Allemands. J'aperçois le grand-père du gardien de but, Harald Schumacher, qui ferme bien sa grande gueule. Quel retournement de situation. Quelle remontada des Américains. Le général Patton envahit le terrain tout nu, le zigouigoui au vent. Non. C'est la libération. Quel match. À vous les studios. En tout cas, ça vous inspire. Oui, ça c'est tout de suite. Merci beaucoup, Philippe. À demain, on sera de retour à Paris. À Paris. Demain, il faut revenir. Si vous y arrivez, parce que vous avez peut-être croisé Joe Biden, et je peux vous dire que c'est pas facile. Salut, c'est David Guetta. C'est Philippe Cavrivière. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de RTL. Il y a plein de choses. Il y a de l'humour, mais il n'y a pas que de l'humour. Il y a aussi Alex Vizorek. Voilà, à vous de découvrir.